restaurant que vous acceptez. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? En Israël, lorsque on voyait l'arche de l'Alliance entrer dans le camp, ils poussaient des cris de joie, des acclamations, ils chantaient. Ils savaient que c'est l'arche de l'Alliance au milieu d'eux qui doit produire le prodige. David avait chanté au point de danser comme un fou, au point de s'attirer la moquerie de sa femme. Et Dieu au ciel n'était pas content de cela. C'était fâché. Amen, amen. Amen. Nous vivons dans un temps de beaucoup de froideur parmi les croyants, parmi les églises. Parce que le diable a multiplié tellement, tellement de distractions. Tellement de difficultés aussi. Les gens, lorsqu'ils viennent, ils ont tendance à vouloir un Dieu qu'ils s'imaginent dans leur tête, alors que Dieu ne change pas ses pensées à propos de sa parole. C'est là que le prophète dit, nous vivons dans un âge sodomite. Amen, amen. Amen. Où la destruction est suspendue un peu partout. Je te conduis pour que nous puissions prier aujourd'hui. Je ne savais pas qu'on devrait avoir d'œil. Et que c'est demain mercredi qu'on devrait enterrer. Celui qui est mort, c'est Ifi, notre frère. Parmi les gens qui ont cru le message longtemps, les anciens croyants du tabernacle de Mbujimayi, nous avons communié ensemble avec lui au milieu de nous à un moment donné, jusqu'à ce que le monde l'a réclamé, et il est mort dans le monde, rétrograde. Alors, comme il était marié à deux femmes, les deux femmes qui étaient restées fidèles jusqu'au jour de sa mort ici au milieu de nous. Et les deux filles, j'ai consacré leur mariage ici. La fille de la première sœur et de la deuxième sœur. Alors, l'une de ces filles d'ailleurs prie ici avec son mari. L'autre qui a été marié dans une autre église au niveau de golf. Alors, tous les enfants viennent ici à l'école des dimanches. Quand bien même celui qui est mort n'est pas mort dans la foi chrétienne, nous avons une responsabilité envers
le nôtre, selon que la Bible dit, plairez avec ce qui plaît. Et mieux vaut vivre dans, donc mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Pour information à ceux-là qui n'étaient pas là le dimanche, celui qui nous a laissé, c'est Moïse Kalala. Le mari de la sœur Dorcas Okajimoyi. De la sœur Ado, la mère de Sarambouï. Na dada Ado, mama ki wa dada Sarambouï. La femme de frère André Ngando. Mokewake wa ndugu André Ngando. Hier, je m'entretenais avec le responsable du deuil et son oncle. Jana mi nkwale kuna ongea na mwenye rasa kusimamia mamie kile kilio ni mwembaya. Il m'a dit que l'on enterre demain. Alors, comme le Saint-Esprit avait permis que nous puissions, avait autorisé que nous ayons notre culte du mercredi aujourd'hui. Donc là, demain, nous avons dévotion matinale. Vous avez toute la journée libre. Cela vous permettra d'aller accompagner ceux-là qui iront à l'enterrement. Amen, amen. Amen. Et comme moi, je suis retenu derrière la chaire là au Bel Air. L'église que j'ai prêchée la semaine passée ici, ils m'ont demandé que je continue la semaine, cette semaine jusqu'à dimanche. Donc là, je travaille là demain dans les après-midi et jeudi aussi. Le vendredi, nous aurons nos cultes d'habitude ici le soir. Et les dimanches, je termine là dans les après-midi après nos cultes dominicales ici. Amen, amen. Alors, ça fait depuis un certain temps que je priais le Seigneur. Pour qu'il me donne l'opportunité ou la permission de vous apporter cet enseignement que je serai sur le point de vous apporter. Concernant le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Je vais essayer d'apporter ça d'une manière un peu plus profonde et plus précise. Je crois que l'imposition de main que nous allons faire ici, ça sera le troisième effusion du Saint-Esprit auquel nous allons nous attendre dans notre église ici. Alors, je voudrais que chacun, chaque pèlerin, chaque croyant, puisse bien tirer attention à ça. Par la grâce du Seigneur, comptant aussi sur l'aide de Dieu, je voudrais apporter ça dans 3 semaines. Le Saint-Esprit.
ou l'âme de Dieu dans l'homme. Voilà, nasi ya Mungu ndani ya mtu, ndani ya mwanadamu. Amen, amen. Amen. La manière dont je vais apporter ça, ça sera, je crois, la première fois. Non, on a dit, mais t'as l'état, il m'a fondé sur Nazali, t'as pas dit, voilà, Dieu m'a raconté. Je crois plusieurs fois nous avons parlé sur le Saint-Esprit. Mais plus l'Église grandit, je comprends que nous devons développer certaines choses. Et je donne ceci à ceux-là qui sont prêts pour le recevoir. Qui le désire, qui en ont soif. Qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi sans Saint-Esprit. Nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons dans Joël le chapitre 2. Versets 23 à 29. La Bible dit ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la maigresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Yazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Un mot de prière pendant que nous sommes debout. Dieu notre Père, toi le Créateur des cieux et de la terre, chaque fois que je pense à ce grand sujet qui est le Saint-Esprit, Seigneur, je sens des frissons qui me traversent le corps et mon corps, mon cœur m'interpelle, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce jour où je voudrais l'aborder, je t'invite que toi, le Christ de gloire, que tu puisses être au milieu de nous, pour commencer avec nous et terminer encore avec nous. Toi, la douce colombe, tu descends toujours sur les brebis innocents. S'il y a l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est là chez qui tu peux trouver, Seigneur, une vie ordonnée, une vie purifiée, ayant la soif et la faim de te recevoir dans leur cœur, permet que l'homme
lorsque la semence sera plantée, que toi tu puisses prendre, ô Dieu, ta place dans le cœur purifié et y faire ta demeure. Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils, nous avait dit en son jour de chair sur la terre que celui qui m'aime garde ma parole. Mon Père le verra et nous viendrons à lui. Nous ferons en lui notre demeure. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi je recommande ton peuple entre tes mains. Dès ce soir, Seigneur, je voudrais que tu amènes chacun à la réflexion. Dès ce soir, Seigneur, que tu amènes chacun à une rétrospection de sa vie pour que nous soyons prêts à te recevoir, toi le roi de gloire, lorsque tu viendras prendre ta place en nous. Nous nous confions à toi pour ta gloire, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons quitter. Alors, comme je le disais, nous allons aborder ce grand sujet qui est le Saint-Esprit. Que après de multiples études de la parole, j'ai découvert que le Saint-Esprit, c'est l'âme même de Dieu. Parce que l'âme, c'est quoi? Le prophète dit, l'âme, c'est la nature de l'esprit. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans un homme, la nature de cet homme devient la nature de Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Christ. C'est Dieu lui-même. Christ, le roi de gloire. Et lorsque nous nous préparons pour le recevoir, comme on prépare l'arrivée d'un président de la République, on doit tout mettre en ordre. Le protocole doit être bien instruit. Et chaque service doit se soigner. Pour que lorsque le président arrive, qu'il trouve un peuple accueillant. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Il en est ainsi lorsque nous voulons aborder le point sur le Saint-Esprit. Alors, je voudrais qu'à partir de ce soir, comme je venais de le dire, que chacun de nous prenne conscience. Amen, amen. Amen. Le parler, bien plutôt le Saint-Esprit, est à des kilomètres du parler en langue. Pour dire le Saint-Esprit, ne pas le parler en langue, mais le parler en langue, c'est l'un des dons du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas la prophétie, mais la prophétie, c'est l'un des dons du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alors, je voudrais ce soir introduire. Et Dieu, notre Père, en nous envoyant sur cette terre, il avait préparé chaque chose pour nous permettre à vaincre Satan. Et pour vaincre Satan, Dieu a donné dès le début, dès le commencement, il a donné à son peuple le meilleur équipement qui soit. La parole et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Mais la vraie parole ne vient qu'au moyen du prophète.
Et lorsque le prophète vient, c'est lui qui vous annonce la parole de votre temps. Et en suivant cette parole, en croyant cette parole, vous obtenez une expérience, une vraie expérience de la parole que vous avez reçue. Pourquoi? Parce que lorsque la parole se fait chair dans un homme, l'homme manifeste la vie de Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Arrangez-moi avec ses confrères. Vous devenez un fils de Dieu. Et la parole de Dieu vient de Dieu jusqu'à vous. Amen, amen. Amen. Pourquoi cela? Parce que vous êtes devenu la nature de Dieu lui-même. Par son esprit qui habite en vous. Amen, amen. Amen. Alors, dans cette étude, nous allons parcourir cinq points importants. Ce qui nous permettra de bien comprendre le Saint-Esprit lui-même. Pourquoi il a été donné? L'évidence que je l'ai reçue, les résultats que cela produit après, et comment le recevoir. Amen, amen. Amen. Donc là, nous allons voir le premier point. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Deuxième point, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Troisième point, comment le recevoir? Ou bien, comment se préparer pour le recevoir? Amen, amen. Amen. Et là, nous allons essayer de parcourir comment les autres l'avaient reçu dans la Bible. Quatrième point, après que nous l'ayons reçu, il faut maintenant savoir l'évidence véritable du Saint-Esprit ou du baptême du Saint-Esprit. Est-ce parce que j'ai dansé en esprit? Est-ce parce que j'avais poussé des cris? Est-ce parce que j'avais pleuré? Est-ce parce que je m'étais roulé par terre? Est-ce parce que j'avais parlé en langue? Quelle est l'évidence qui me rassurait? Même si je n'ai aucun signe, mais qui dans l'avenir me convaincra que réellement j'ai reçu le Saint-Esprit? Nous allons voir ça. Et cinquième point, nous allons voir le résultat qui accompagne le croyant après qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Et ce soir, je vais essayer de revenir sur la Bible, mais beaucoup plus avec ce que le prophète nous a dit, pour nous montrer qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Parce que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose que vous ne connaissez pas. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit?
Voilà ce que nous allons parcourir, je crois, aujourd'hui et vendredi. Avec le prophète à l'appui, pour que cela puisse nous donner quand même une base. Dans Actes chapitre 7, à partir du verset premier, la Bible dit, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit. Stéphane a dit. Oh mon frère et père. Écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Lorsqu'il était en Mésopotamie. Avant qu'il s'établit à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoi qu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai du Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces liesses. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. C'est là le début de l'histoire du Saint-Esprit. Amen, amen. L'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le huitième jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les douze patriarches. Amen, amen. Amen. Et c'est là que l'histoire du Saint-Esprit a commencé. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et si vous voulez réellement être attaché à lui, vous devez réellement avoir un signe de l'alliance qui est visible. Amen, amen. Amen. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit du 16-12-59 paragraphe 22-23, le prophète dit, à l'introduction de cet enseignement, le prophète dit ceci. Sur ce, nous voulons aborder le sujet qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir et recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Amen, amen. Amen. À moins de savoir ce que c'est. C'est parce que
Vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Amen, amen, amen. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez, si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Amen. Amen, amen. Amen. Je sens comme si je suis un peu étouffé là avec ma voix. Vous ne pouvez pas m'aider à bien prêcher. Ma voix ne sort pas bien. Maintenant, qui n'est pas les mêmes. Donc là, je sens comme si je suis un peu étouffé. Peut-être ou bien parce que là où je venais, il y avait trop de bruit dans la salle des sons. C'est ça. Oui, oui. Ah, ok. Comme ça, ça va. Ça va, je le sens maintenant quand même, les échos me parviennent. Alors le prophète dit, ah, ça va bien, Athéma. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans savoir ce qu'il signifie. Et sans être sûr qu'il vous appartient et que c'est votre promesse. Amen, amen, amen. Il avance, il dit. Et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Amen, amen, amen. Donc c'est là que nous allons nous attarder. Sur tous ces points-là, il signifie quoi? Quand tu me viens, pourquoi d'ailleurs il a été donné? Est-ce que réellement moi ici, je peux le recevoir? Et quand tu me viens, il doit produire quelle sorte de résultat? Amen, amen, amen. Donc, si vous savez ce que c'est, et à qui il est destiné, et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevez. Voyez, comme ça, ce sera vraiment réglé. Comme par exemple, j'ai parlé à notre frère Jeffrey aujourd'hui et il disait, j'aimerais être à la réunion ce soir, mais j'y serai demain soir. Il n'était pas au courant que nous avions des réunions parce que nous ne l'avions pas annoncé seulement ici. Quelques-uns, frères Léo et les autres, ont écrit à quelques-uns de nos amis pour leur dire d'en dehors. Eh bien, parce que nous n'avions pas assez de place. Paragraphe 27. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. William Branham dit, il y a une grande différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et Dieu n'a besoin que des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de chrétiens tout court. Amen. Amen, amen, amen. Et là, on va voir ça dans les Écritures. Et les situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a les chrétiens qui font profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, de devenir un chrétien. Oui, un Christo. Amen. Amen, amen, amen. Donc vous ne pouvez pas vous appeler que vous êtes chrétien si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Maman,
vous devenez comme Christ. Vous devenez comme lui. Pour vivre comme lui. Donne-moi un amen. Amen. Donc c'est à défaut que nous appelons tout le monde chrétien. Mais qui est chrétien? C'est celui qui a reçu l'esprit de Christ en lui. Amen, amen. Amen. Le prophète avant s'est dit, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Que Dieu l'ait reconnu. Donc Dieu reconnaît quelqu'un qui l'est sauvé, qui l'est chrétien, que quand son esprit entre dans ces croyants-là, donne-moi un amen. Donc aussi longtemps que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, votre foi n'est pas encore agréée de Dieu. Amen. Vous êtes en voie de devenir. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Après qu'il a appelé Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Il a appelé Abraham. Et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger. Pour habiter parmi des étrangers. Et c'était un type que quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, à se repentir de son péché, alors il s'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe. Genre de personnes. Donnez-moi un amen. Amen. Et puis après, Dieu a trouvé Abraham fidèle. Après que Dieu a trouvé Abraham fidèle, fidèle à la promesse, c'est alors que Dieu lui a donné, selon laquelle aucun enfant qui devrait sortir de lui ne pouvait rester sans être circoncis. Est-ce que j'entends un amen? Et William Branham dit, et puis après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée, selon laquelle il aurait l'enfant. Et qu'à travers cet enfant, toute la terre serait bénie. Alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Et William Branham dit, la circoncision est un type du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Paragraphe 31. Toujours dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? 31, il dit. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. Les signes de la circoncision du cœur. Lorsque nous venons dans ce monde, nous avons un cœur péché. Parce que la Bible dit, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en proférant le mensonge. Donc nous naissons avec un cœur péché à laquelle est collée la méchanceté, les jalousies, les animosités. Est-ce que j'entends un amen? Toutes ces sortes de choses. Donc pour être agréable à Dieu, Dieu doit circoncire ce cœur-là. Amen. Enlever tout ce qui ne lui appartient pas. Il nous donne les signes du Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres chrétiens.
croyant cette dénomination. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire si il a reçu le Saint-Esprit ou pas. Amen, amen. Amen. William Lambert dit, laissez-moi parler à un homme. Laissez-moi parler à quelqu'un. 2 minutes seulement. Je vous dirai s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Amen, amen. Amen. Vous le pouvez aussi. Ça les distingue. Amen. Donc lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous distingue. Amen. Il change votre langage. Il change votre humeur. Il change votre façon de concevoir les choses. Vous devenez une nouvelle créature. Parce que ce n'est pas vous. Votre âme pécheresse est morte. C'est l'âme de Dieu lui-même qui vit en toi. Et comme c'est l'âme de Dieu qui vit en toi, cette âme-là te donne une nouvelle nature. Amen. Et cette nature-là en toi produit un nouveau caractère. Amen. Vous devenez une personne différente. Avec des pensées différentes. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Le prophète dit, le Saint-Esprit vous distingue. C'est une marque. Est-ce que j'entends un amen? Amen. C'est une marque. C'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Amen. Dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, elle préfigurait le Saint-Esprit. Cet enfant qui refusait la circoncision était étranger du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir de communion avec les restes de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Est-ce que j'entends un amen? Donc au milieu des enfants d'Israël, on ne pouvait pas trouver un mâle non circoncis. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Moïse quittait l'Égypte, vers donc quitter chez son oncle, chez Laban plutôt. Oui, oui. Lorsqu'il cherchait trop chez son beau-père et qu'il était en route. Amen, amen, amen. Il avait son fils Gershon. Gershon. Qui devrait rejoindre les Hébreux. Mais Moïse avait oublié de circoncire Gershon. La colère que Dieu a descendue sur Moïse. Au point de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait avec lui un enfant non circoncis. Amen. Et sa femme, Séphora, qui était une femme vigilante, qui connaissait déjà les lois de l'Éternel, elle s'empressa pour essayer de calmer la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fit? Elle prit une pierre comme on le faisait en ces temps-là. C'était la période de l'âge de la pierre taillée. Elle prit la pierre et circoncit elle-même son fils. Et dit à son mari, tu es mon mari du sang. Je ne peux pas permettre que tu m'aies. Cela veut dire, tu es la première des hommes que j'ai connus dans ma vie. Mon mari d'alliance. Amen. Je ne peux pas permettre
que Dieu te tue à cause de ta négligence. Amen. Et au milieu des enfants d'Israël, on ne trouvait personne non circoncis. Et c'était une loi après 8 jours. De la naissance du témoin, on allait au temple avec l'enfant, et c'est le sacrificateur lui-même qui pouvait circoncire l'enfant. Amen. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Et le Dieu qui ne change jamais ses pensées à propos de sa parole ne peut agréer un homme dans sa présence étant incirconcis. Amen. 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 C'est pourquoi William Branham dit le Saint-Esprit reste l'enseignement de base de l'Église. Amen. Et reste l'enseignement doctrinal des apôtres. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, dans Actes chapitre 19, Paul qui parcourait les autres provinces de Thèse, il arrive quelque part là, Apollos, il trouve un groupe de gens qui étaient en train de prier avec beaucoup d'enthousiasme. Alléluia! Alléluia. Amen. Amen! Le prédicateur qui prêchait puissamment. Amen. Mais lorsque Paul est arrivé, il leur a posé une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? La réponse de ces gens-là, il lui répondit, nous n'avons jamais entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Il leur pose la question, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Pourquoi Paul les ramène au baptême? Parce que le baptême, c'est la porte qui vous introduit homme frère, que ferions-nous pour recevoir aussi le Saint-Esprit? Lorsque Pierre prit la parole, il commença à leur enseigner. À la fin, il leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de ses péchés. Donc lorsque quelqu'un se répand, c'est comme si il est en train de vomir toute la saleté, toute la souillure qu'il avait avoinée des années et des années. Et le baptême, c'est un lavement, une purification, les signes extérieurs qui montrent que à l'intérieur ici il y a un travail de la rédemption qui vient de commencer. Amen. 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 Et lorsque vous êtes baptisé pour la rémission de votre péché, pour le pardon de vos péchés, Pierre dit, c'est à ce moment-là que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant regarde toi, ça fait des années que tu as cru le message. Où est le Saint-Esprit?
C'est là que je t'inviterai à partir de ce soir d'être attentif à cet enseignement pour que Dieu puisse t'aider à le recevoir. Amen. Tu ne seras jamais chrétien sans Saint-Esprit. L'on devient chrétien, c'est quand on reçoit l'Esprit de Christ. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Écoutez les prophètes. Amen. Mais nous nous retrouvons des fois à la table du Seigneur. Il y a tout le monde qui passe là-bas. Et c'est ce qui cause des difficultés dans la marche de l'église. Amen. C'est ce qui fait à ce que les gens viennent malades et ne sont pas guéris. Parce que nous avons au milieu de nous plein des incirconcis. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on excommunique quelqu'un de l'église pour une mauvaise vie, vous qui êtes dans la parole, vous n'avez pas droit d'avoir communion avec cette personne. Amen. C'est ici l'occasion pour moi d'interpeller les pasteurs qui reçoivent des fois dans les églises les autres croyants qu'ils sont conscients qu'ils sont excommuniés. J'ai interpellé les pasteurs de là où je prêche et je crois que s'il me suit, il va écouter ce que je dis ici. Quand je suis allé trouver un frère qui a été excommunié de cette église, et je lui dis, mais toi tu gardes ces messieurs ici, tu ne m'as jamais appelé, tu ne m'as jamais cherché pour savoir comment et pourquoi il a été excommunié. Comme excuse, il m'a dit, pasteur, les jours que je t'avais appelé, c'était pour que nous parlions de ces dossiers. Mais c'est quoi ça? Ils veulent remplir les églises, mais tout en foulant au pied la parole de Dieu. Le message reste un. La même procédure que la parole que l'on fait à la sainte tête à Bernard. Ou de chercher la popularité, ça ne marchera pas. Cela freine l'avancement du royaume de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Et vous, les frères de cette église, dont j'apprends que ces gens de personnes-là excommuniées, ils viennent dans votre maison, ils mangent, vous collaborez avec eux. Vous faites des transactions, des affaires. Laissez-moi vous dire, par la vertu du Saint-Esprit, que vous êtes sous le coup de la malédiction de Dieu. Parce que Dieu ne changera jamais. Un frère excommunié de l'église, la Bible dit, ne les recevez pas dans votre maison. Vous ne changerez pas la parole de Dieu. La Bible dit même, ne l'évite même pas, salut. C'est la parole. Amen. Ne soyez pas plus saint que Dieu. Vous devez prendre une certaine attitude
qui ferait à ce que la personne se sente rejetée. Pour ressentir son ignominie. Afin de retenir derrière la parole. Donnez-moi un bon amen. William Branham dit, une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pouvez passer tout. Est-ce que vous croyez William Branham? Vous croyez les prophètes? Les prophètes disent que vous ne pouvez pas. C'est tout. Vous devez être d'une autre, vous devez être d'une nature. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une marque de distinction qui vient sur vous. Ça nous diffère. Amen. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Dans l'exposé de cet âge de l'église, l'âge de l'église de Smyrne. L'âge de l'église de Smyrne. Page 147. Paragraphe 2. Le prophète dit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est l'Esprit qui vous baptise dans le corps de Christ. C'est la nouvelle naissance. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui entre et qui vous remplit après que vous vous êtes repenti. En ayant entendu sa parole et que vous avez été baptisé d'eau en signe de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le baptême du Saint-Esprit, en quelque sorte, William Branham dit, c'est ça même la nouvelle naissance. Amen. Vous devenez votre un autre vous. Vous avez une autre nature. Vous allez commencer à mener une autre vie. De nouvelles pensées. Une nouvelle manière de faire les choses. Et Dieu vous baptise dans son corps. Amen, amen. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est un besoin obligatoire pour une vie chrétienne réussie. Donc tout chrétien ne peut pas dire qu'il a la vie éternelle s'il n'a pas le Saint-Esprit. En croyant le Seigneur Jésus-Christ, notre foi nous introduit dans la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, c'est ça même la vie éternelle qui entre en nous. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Dans questions et réponses. Donc là, vous croyez que vous, là, qui communiez avec les gens qui vivent n'importe quelle vie, vous n'êtes que des incirconcis. Parce qu'un circoncis ne permettrait jamais un incirconcis dans sa communion. Question et réponse. Du 23 décembre 1959. Paragraphe 18. Seigneur, nous voyons qu'il y a un besoin du baptême du Saint-Esprit parmi les nôtres. Et parmi les gens de cette église, est-ce qu'il y a un besoin ici? Amen. Est-ce qu'il y a un besoin ici? Amen. Nous voyons
du baptême du Saint-Esprit parmi les nôtres et parmi les gens de cette église. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des questions dans leur esprit. Nous voulons que tout soit tiré au clair afin qu'ils reconnaissent ce que c'est au moment où cela viendra et qu'ils sachent que c'est pour eux. Amen. Amen, amen. Comme il y a un besoin dans cette église, c'est pourquoi l'enseignement sur le Saint-Esprit vient à point. Pourquoi? William Branham dit, c'est pour enlever toutes les questions de votre esprit. Tirez les choses au clair afin que vous reconnaissez ce que c'est au moment où cela viendra. Amen, amen. Dans le sermon 70 semaines de Daniel, d'ici août 1961, paragraphe 22. N'êtes-vous pas heureux? Revenons au message, frère. Revenons à l'original. Revenons à la Pentecôte. Revenons à la vraie bénédiction. Revenons au nom de Jésus-Christ. Revenons au baptême du Saint-Esprit. Revenons au signe et au prodige. Revenons à la Pentecôte. Balançons l'organisation. Revenons au Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. Amen. Amen, amen. Amen. Si vous l'avez en vous, c'est lui qui va vous enseigner. Il vous dira que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Faites ça, ne faites pas ça. Pourquoi nous devons revenir à ça? Parce que le jour de la rédemption approche. La paix fait défaillir les cœurs des hommes. Soyez remplis de l'esprit. Vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Alléluia! Dans la flèche de délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide de l'arc, du 1er août 56, paragraphe 52, combien ici sont malades et affligés? Levez la main si possible. Levez la main, vous qui voulez que Dieu vous guérisse. C'est merveilleux. Ça va et bien. Si c'est salut de Dieu à l'ancien monde, nous est apporté par le baptême du Saint-Esprit. Dans ce baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est descendu le jour de la Pentecôte pour demeurer avec nous et en nous jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui était descendu le jour de la Pentecôte pour demeurer avec nous et en nous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que les saints disent amen? Et il est encore le même Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte et il a la même puissance ce soir qu'il avait à la Pentecôte. Nous ne pourrions pas imaginer que notre Dieu soit devenu faible après 2000 ans, alors qu'il vivra avec nous à travers l'éternité. Donnez-moi
Comment ces gens-là vivaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le miracle qu'ils produisaient. Maintenant, regardons le Saint-Esprit que les gens reçoivent aujourd'hui. La vie qu'ils mènent. Est-ce que tu as-tu changé? Tu es-tu devenu faible? Oh, le Saint-Esprit, c'est une puissance que vous recevez. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Et lorsque vous le recevez en vous, il vous rend inébranlable devant les démons. Amen. Amen, amen. Amen. Donc vous devez comprendre. À vous qui luttez avec les esprits. À vous qui luttez avec les démons. À vous qui luttez avec la sorcellerie. L'unique chose qui peut vous garantir la stabilité chrétienne, c'est l'Esprit de Dieu en vous. William Branham dit, il est le même qui était à la Pentecôte. Pendant des mille ans, il n'a pas perdu sa puissance. Est-ce que j'entends un amen? Nous ne pourrions pas imaginer que notre Dieu soit devenu faible. Lorsque le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses, voyez-vous. Ce sera le signe du Messie. Mais qui es-tu? Il a dit, je le suis. Eh bien, s'il était ainsi Jésus hier, il doit être ainsi Jésus aujourd'hui. Si il est le même. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, la seule différence alors, c'est qu'il n'a pas de corps physique. Son corps est sur le trône de Dieu. Le trône sur lequel Jésus est assis ce soir n'est pas son trône à lui. La Bible déclare, il est assis sur le trône de son Père. Mais où est son Père? Son Père. Quand tu le descends, il descend de la même manière qu'il était descendu le jour de la Pentecôte. Ils ont vu une colonne de feu qui s'était divisée et les langues de feu s'étaient posées sur la tête de chacun. C'était qui? Le grand Logos se partageant pour vivre au milieu de son peuple. Amen. Vous ne serez jamais un vainqueur. Si c'est lui qui a vaincu le monde, si c'est lui qui a créé le diable, ne vit pas en vous. Amen. Donc vous devez comprendre que le Saint-Esprit, c'est ce dont vous avez besoin pour la vie chrétienne. C'est ce dont vous avez besoin pour mener des combats spirituels. C'est ce dont vous avez besoin pour chasser les démons. C'est ce dont vous avez besoin pour éclairer votre maison. Amen. Le prophète avance, il dit, c'est lui qui vient. Il dit, c'est lui qui vaincra. S'assiera avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Maintenant, son trône est sur la terre. Amen. Il doit être ici avec le Père. Amen. 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 William Branham dit, le trône de Dieu aujourd'hui est sur la terre. Amen. Et il faut que quand tu le descends, qu'il trouve sa place au milieu du peuple pour vivre en eux. Donc
Donc à partir de ce soir, vous devez comprendre que vous êtes censé commencer à nettoyer vos cœurs, nettoyer vos âmes, nettoyer votre vie. Amen. Faire un nettoyage complet pour que lui puisse avoir l'opportunité de venir atterrir en toi. Amen, amen. Amen. Pourquoi il fallait que ce soit le berger du 21 décembre 64 paragraphe 65 jusqu'à 64-65. William Branham dit ceci. Ils disent, le jour des miracles sont passés. Le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. C'était pour les apôtres. Et c'est là les enseignements qu'on donne aujourd'hui aux croyants dans la plupart des églises du message. Non, frère. Si seulement vous croyez le message, vous avez le Saint-Esprit. Amen, amen. Vos histoires là d'imposition de main, ainsi de suite, c'est du pentecôtisme. Des telles prédications, c'est de la théologie. C'est de la philosophie. Des philosophies. Amen, amen. Mais qu'un véritable berger de la parole prêche une fois cela avec la puissance de la résurrection, montrant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les jours de la Pentecôte, Pierre a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Où qu'il appelle, la promesse et la bénédiction sont toujours vraies. Amen. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Où ils sont, si Dieu les a appelés, les mêmes bénédictions seront toujours vraies. Amen, amen. Et quel authentique berger qui nourrit avec la parole voit cela être confirmé. Tous les théologiens du monde ne peuvent pas lui arracher cela. En effet, il sait que Dieu l'a dit et que cela est arrivé. C'est tout. C'est toujours la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc depuis que Dieu a donné cette promesse, cette promesse ne s'est jamais arrêtée. Est-ce que j'entends un amen? Dieu a dit, cette promesse du Saint-Esprit est pour vous. Pour vos enfants qui naîtront. Pour ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que Dieu les appellera. S'ils viennent, Dieu leur donnera le Saint-Esprit. Amen. Et le prophète dit, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore cessé d'appeler les gens, le Saint-Esprit sera toujours là pour que les gens les reçoivent. Le nom blasphématoire du 4 novembre 62, paragraphe 91. Et vous m'avez dit que à 93. Eh bien, non. Je crois que c'est la raison pour laquelle il y a tant de confusion aujourd'hui concernant le Saint-Esprit. Cela n'est pas enseigné correctement. Amen. Amen.
C'est pourquoi il y a trop de confusion. Donc si vous voulez que je puisse vous enlever cette confusion-là, alors suivez correctement l'enseignement qui sera donné. Pour que vous parveniez à un baptême du Saint-Esprit authentique. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Je crois que le baptême est enseigné. Et dites seulement baptême. Comme vous dites automobile. Mais maintenant, j'ai plusieurs mécaniciens dans cette église. Et je ne sais rien du tout là-dessus. Donc si je commets une erreur, frère, rappelez-vous, je ne suis pas un mécanicien. Il doit y avoir des ressorts et des bougies. Et des prises de courant. Et des valves. Et tout ce qui fait l'automobile. Et quand vous parlez du baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Amen. Voyez, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Et voici ce par quoi je passe. Je pense que Dieu prouve que le Saint-Esprit est ici. Donc William Branham dit, lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler simplement cela. Oh, venez, recevez le Saint-Esprit. Recevez, comme si on donnait des cacahuètes là. William Branham me dit non. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est comme on parle d'automobile. Pour qu'un automobile marche, il y a beaucoup de choses. Les ressorts, les bougies, les valves, ainsi de suite. Et William Branham me dit, le baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Il faut revoir la manière dont vous avez été baptisé. Revoir si vous vous êtes bien repenti. Voir si vous ne gardez rien dans votre cœur. Si dans votre vie il y a eu des choses que vous avez fait, que vous n'avez jamais arrangé, peut-être la chose que tu avais volée, que tu dois restituer. Peut-être. Et plus loin là-bas, même pour le marié, vous devez revoir votre mariage. Comment vous vous êtes marié? Est-ce que tu avais engrossé cette chair-là? Est-ce que depuis que tu l'avais marié, tu as déjà fini la dot dans ta belle famille? Tout cela va avec le baptême du Saint-Esprit. Je me demande quelqu'un qui s'était mal marié et qui dans sa belle famille on continue à réclamer les choses. Maintenant il vient là pour que Dieu lui donne le Saint-Esprit. William Branham dit, le Saint-Esprit n'habite pas dans une fosse sceptique. C'est pourquoi j'avais d'abord commencé par enseigner sur l'alliance des mariages. C'était pour que les gens aient le temps de revoir leur vie conjugale. Comment ils vivent? Est-ce que j'entends un amen? Toutes ces choses-là, William Branham dit, le baptême du Saint-Esprit marche avec beaucoup de choses. Donne-moi un bon amen. Et au paragraphe 221, il dit, toujours dans le même sermon, alors, que fait-il quand tu me donnes le Saint-Esprit? Il vous place dans un endroit séparé de vous-même. Il vous marque. Amen. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est comme cette bouteille. On les remplit. Après l'avoir rempli, on les marque. Et c'est jusqu'au jour de la rédemption. Voyez? Alors vous êtes une personne différente. Vous n'êtes plus du monde.
Vous vous habillez différemment. Amen. Donnez-moi un bon amen. William Branham dit, lorsque Dieu vous donne le Saint-Esprit, il vous marque. Il place son sang sur toi. Il te met à part. Le Saint-Esprit en toi t'obligera de t'habiller différemment. Non pas parce que c'est une règle d'église. Non. Mais Dieu en toi t'oblige une nouvelle vie. Une nouvelle discipline. Pendant que les autres s'habillent autrement. Mais quand toi tu t'habilles, le Saint-Esprit en toi dit pas ça. Tu retournes, tu enlèves toi-même. Sans que ton mari soit là. Toi-même. Pourquoi? Parce que c'est un enseignant intérieur. Donne-moi un amen. Tu veux faire quelque chose. Lui te dit donc tu peux faire semblant. Il te hante tellement jusqu'à ce que tu te mettes en ordre. Amen. Amen. William Lennon avance et dit, vous n'êtes plus du monde. Vous vous habillez différemment. Vous êtes vêtus différemment. Pas cette robe extérieure. Non, non. Vous n'avez pas besoin d'être drôle et bizarre. Et l'école est tournée. Et toute une cérémonie. Non, non. Vous ne faites pas cela. Mais physiquement, vous vous habillez comme ceci. C'est seulement cette robe spirituelle qui compte. L'habit de noces a été mis sur vous. Amen. Comment vous êtes vous? Comme Jésus. Amen, amen. Amen. William Branham dit le Saint-Esprit. C'est l'habit de noces. Que Dieu vous révèle. L'habit de noces, c'est comme cette jeune fille qui a longtemps attendu son mari, qui a longtemps attendu les jours du mariage, de la cérémonie du mariage, et qui met pour la première fois la robe de mariage. Cette robe blanche, comment elle se ressent? Et William Branham dit, nous nous habillons de cette robe-là étant sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est une bague de mariage. C'est l'anneau de mariage que Jésus place à votre doigt. Voyez, nous avons écouté avec vous des confessions ici. Quand le diable se marie à un être qu'il le fait utiliser comme son esclave, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait faire des vœux. Et c'est pareil avec Jésus-Christ. Amen. 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 Lorsque vous devenez l'épouse de Jésus, il te donne l'anneau du mariage. Et cet anneau-là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que le pasteur te dira, tu l'as reçu aujourd'hui. Non, non. Toi-même, tu y en es convaincu. Qu'une nouvelle chose est entrée en moi. Ça laisse une marque sur toi. Et ça sera pour longtemps. Tu le témoigneras partout. Amen, amen, amen. Moi je me rappelle, avant que je reçoive le Saint-Esprit, j'ai pris conscience de l'appel de Dieu depuis 1998 que j'ai reçu mon premier baptême. Et en 2001,
J'ai commencé à ressentir la pression en moi. J'ai senti que j'étais appelé à une certaine vie. J'étais appelé à quelque chose. En 2007-2008, donc le 1er janvier 2008, vers 1h du matin. Tellement que la soif du Saint-Esprit devenait de plus en plus présent en moi. Je le cherchais partout. Dans les consécrations, dans les jeûnes, dans les prières, à l'église, peu importe la prédication que l'on prêche, moi je demandais seulement le Saint-Esprit. C'était devenu comme quelque chose pour lequel je ne pouvais pas m'en passer de cela. Jusqu'à ce que, dans un veillet de prière de la fin de l'année, un certain le 1er janvier 2008, vers 1h du matin, la douce colombe entra en moi. Je n'oublierai jamais sa fin. Et dès ce moment-là, ma vie a fait changer. Je connais les signes. Amen. Qui m'était arrivé ces jours-là. Amen. J'avais pleuré comme un enfant. J'avais ressenti un poids que je n'avais jamais ressenti. Et Dieu, des précisions, il fait les choses d'une manière surnaturelle. Moi, je suis né le 25 décembre. Et Dieu savait que ça, ta naissance coïncide avec une fête païenne. Et comme tu es né dans une journée de fête, même au ciel, je te ferai naître aussi dans une journée de fête. Ma naissance naturelle a été le 25 décembre. Ma naissance au ciel a été le 1er janvier. Je connais même la date. Je connais l'air. Je connais les habitudes. Amen. 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 Et quand cela m'était arrivé, Dieu confirmera que sur mon front se trouvait une étoile qui brillait partout où je marchais. On avait un vieux frère à l'église. Un jour, pendant la louange, il s'est poussé à prendre la photo. Et quand il m'a pris la photo, il y avait sur mon front une grande étoile qui brillait. Ce n'est pas de l'imagination. C'est quelque chose de réel. Donc vous en êtes sûr. Même devant l'enfer, vous reconnaissez que vous n'êtes pas de l'enfer. Vous êtes des siens. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Donc là, tel que je suis, je connais l'âge que j'ai au ciel. Je suis né au ciel depuis un certain 1er janvier 2008. Et quand vous calculez aujourd'hui, ça vous donne combien d'années? Je suis un garçon de plus ou moins 15-17 ans aussi. Amen, amen. Amen. Et j'évolue de baptême en baptême. Amen. De remplissage en remplissage. C'est pourquoi je prêche la parole avec conviction. J'ai vu une vie chrétienne. J'ai une foi qui agit. Et je proclame la puissance de Dieu avec conviction. Pourquoi? Parce que l'âme qui vit en moi n'est pas l'âme d'un pécheur. C'est l'âme de Dieu lui-même. Donnez-moi un amen. Et aussi longtemps que vous n'êtes plus arrivé à ce point-là, vous avez
un parcours à faire. Amen. Donc là, je suis en train de vous révolter. Pour comprendre que dès ce soir, vous devez le désirer. Amen. Le prophète dit, Amen. Je suis dans le péché impardonnable. Le péché impardonnable du 25 octobre 54. Paragraphe 58-56. Et je voudrais dire à quelqu'un ici que le Saint-Esprit, vous ne le recevez pas seulement par imposition de nous. Lorsque les apôtres l'ont reçu là-bas, à la Pentecôte, ils s'étaient consacrés. Amen. Ils étaient dans l'attente. Et le Saint-Esprit est descendu. L'imposition de main n'est qu'une confirmation de ce que vous recevez. Amen. Et William Branham dit, l'imposition de main, c'est un acte apostolique. Amen. Pour ceux-là qui ne peuvent pas les recevoir par le moyen de leur foi, ils les recevront par l'imposition de main. Amen. Mais pour qu'il entre par l'imposition de main, il faut que le terrain soit déjà bien préparé. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Le péché impardonnable, 56. Eh bien, vous êtes un croyant, mais Dieu ne reconnaît pas votre foi jusqu'à ce qu'il vous en donne une preuve. Amen. Donc votre foi sera reconnue de Dieu que lorsque vous recevez la preuve qui est le Saint-Esprit. Amen. Oh frère, permettez-moi de vous dire quelque chose. Quand votre foi, il se pourrait que vous en ayez la certitude dans votre esprit. Mais lorsque cela entre dans les pensées de Dieu, Dieu cède cette foi par le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Abraham crie Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. Et Dieu lui donna les sceaux de la circoncision comme signe qu'il l'avait agréé. Alléluia. Et les sceaux du Dieu vivant aujourd'hui sont les écritures. C'est le baptême du Saint-Esprit dans le cœur. Dans le cœur humain. Amen. Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Les sceaux de Dieu, Dieu est connaissant que vous êtes un croyant. Il vous scelle dans les corps par le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi nous avons affaire à des gens qui rétrogradent, que nous chassons de l'église? Non, la Bible est claire, il dit, beaucoup sont appelés, pères sont élus. Et William Branham dit, vous pouvez croire Dieu, c'est bien, mais pour que Dieu te croie toi, ce n'est que quand tu te donnes l'essence. Amen. Je vais donner un exemple. Nous sommes avec le frère Joseph. Le frère Joseph me dit, pasteur, je te crois tellement. Tu me crois? Amen. Ça va, mon ami. Amen. Mais dans mon cœur, moi, je ne le crois pas. Je les doute encore. Mais lui me croit de tout son cœur. Prêt à mourir pour moi. Mais moi, je lui dis, il y a encore des chemins à faire. Traversons d'abord là-bas. C'est là que je verrai au Jourdain si tu vas rester avec moi. Tu me crois? Il me dit, oui, je te crois.
Nous traversons le Jourdain. Il le traverse avec nous. J'ai dit ok. Tu as réussi le premier épreuve. Mais jusque là, je ne fais toujours pas confiance. Allons à Bethel. On arrive à Bethel. Amen, amen. Amen. Le lieu de la prière. Après, on traverse là-bas. Il réussit à mes prières. Vraiment. Tu es fort. Hein? Mais tu peux retourner même ici. Dis non, pasteur. Je ne peux pas te laisser. Moi, j'irai avec toi jusqu'au bout. C'est vrai? Oui. Ça va. Allons-y. Jusque-là, j'ai encore des doutes. Mais lui, il m'aime dans son cœur jusqu'à mourir. Mais moi, je ne fais pas confiance. C'est comme ça notre relation avec Dieu. Tu peux plaire. Tu peux venir à l'église tous les jours. Jusque-là, Dieu est tout encore de toi. Amen. Parce que lui connaît la fin avant le commencement. Allons à Gilgal, le lieu de sacrifice. Ah oui, tu as réussi. Vraiment, tu es fort. Donc, tu es capable de donner tout ce que tu as pour moi. C'est vrai. Ok. Allons à Carmel. Vous voyez, étape après étape. C'est quoi ça? Épreuve après épreuve. Épreuve après épreuve. C'est comme ça que Dieu nous fait vivre. Mais beaucoup d'entre nous n'arrivent pas jusqu'à Bethel ou bien à Carmel. Ils se limitent encore du chemin. Or, il n'y a que le Carmel là où le manteau peut tomber. Amen, amen. Après que vous ayez surmonté tous les épreuves, c'est là que Dieu dit, vraiment, tu es fort, tu es déterminé, capable de porter le propre à cause de mon nom. Tu es prêt à abandonner tout pour moi. Je te marque, je te scelle. Et le prophète dit, Dieu agréera votre foi. Acceptera votre foi. Il acceptera que vous êtes croyant. Que quand tu lui te donnes les Saint-Esprit. Donc, aussi longtemps que Dieu ne t'a pas encore donné le Saint-Esprit, il doute encore de toi. Laissez-moi être clair avec vous là. Parce que s'il te faisait déjà confiance, s'il te croyait déjà, il t'aurait déjà donné le Saint-Esprit depuis longtemps. Amen. Est-ce que j'entends un amen? Amen. Dieu reconnaît que vous êtes un croyant lorsqu'il vous scelle dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Donc ce soir, tu dois te poser des questions. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Mon pasteur m'a dit que si je n'ai pas encore le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu n'a pas encore nourri sa pleine confiance en moi. La question maintenant à se poser, pourquoi je suis encore faible là-bas? Je n'ai pas encore arrangé ça. Je dois me faire ceci. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le signe d'approbation. Est-ce que j'entends un amen? Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pour énumérer, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en vous. Le Saint-Esprit, c'est votre protection. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est votre témoin. Est-ce que j'entends un amen? Le Saint-Esprit, c'est votre assurance. Le Saint-Esprit, c'est votre consolateur. Le Saint-Esprit,
C'est le signe de Dieu pour ton approbation. Le Saint-Esprit, c'est ton avocat. Lorsque tu pèches et que la colère de Dieu veut descendre, lui s'interpose entre toi et la colère de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la circoncision. C'est le repos. C'est la nouvelle naissance. C'est la puissance. C'est une robe ecclésiastique. C'est une marque. C'est la porte ouverte de Dieu pour la vie éternelle. C'est une alliance. C'est le sceau d'approbation. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir de passer. Ça va vous éviter la distraction. Ça va vous aider à ne plus prendre l'habitude de venir à l'église comme si c'était un passe-temps. Vous avez un chemin à parcourir. Pourquoi Dieu ne me donne pas le Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui? Tu demandes, tu plaires. Mais ce soir, Dieu t'a parlé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et quand Dieu te le donne, c'est la preuve qu'il t'a agréé. Tu es devenu chrétien. Il a cru en toi. Il peut te faire confiance. Comme nous autres. Il nous avait fait confiance pour que nous soyons votre pasteur. Parce que Dieu savait qu'il y avait un peuple à conduire. C'est là qu'il m'avait donné le Saint-Esprit. Il m'avait fait confiance que quand vous viendrez, vous aurez le soulagement à vos problèmes. Vous aurez le salut. Il fallait qu'il croie en moi, qu'il agrée ma foi, qu'il fasse de moi un véritable chrétien et qu'il m'accepte comme croyant. C'est là qu'il m'a placé ici. Alors tu dois te poser aussi la question. Seigneur, ça fait longtemps. S'il y a quelque chose, Seigneur, qui jusque-là, je n'ai pas encore arrangé. Qui jusque-là, je n'ai pas encore mis en ordre. Aide-moi. Éclaire mes pensées. Je voudrais te recevoir pour que tu agrées ma foi, Seigneur. Le grand jour célébré. Le grand jour célébré. Dieu nous a visités. Voici les tambours chantant.
Il éclaire le chemin de pèlerin.
combien capital pour ton peuple et pour la vie même de l'Église. Nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, que toi-même tu nous conduises au travers de notre marche, par le moyen de cette parole que nous venons d'écouter, que tu produises la soif dans le cœur de tes enfants, que tu produises la faim dans le cœur de tes enfants, afin qu'ils désirent, éternel Dieu Tout-Puissant, ta présence dans leur vie. Ô Dieu, je ne peux que planter la semence, mais celui qui peut l'arroser, c'est toi. C'est pourquoi, tendre Père Céleste, je te demande pour que tu prennes le contrôle de toutes choses. Ô Dieu bien-aimé, pour bénir ce peuple qui vient à toi, Seigneur, ayant le désir, éternel Dieu des armées, de vivre conformément à ta volonté. Alors qu'ils ont leur cœur ouvert devant toi, nettoie, Seigneur, les esprits, les âmes, enlève tout ce qui n'est pas ta parole et que tu puisses rester à l'intérieur. Recommandons toutes choses à toi, c'est là pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Bénis les offrandes et les dîmes qui seront récoltées et bénis notre retour à la maison. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.